Voilà, Zelda. Personne ne nous dérangera ici. Tu voulais me parler en privé, je crois. Alors je t'écoute. Votre bêtise me confond. Oh, ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton. Ni très malin si tu comptais encore faire illusion. Tu es démasquée, marionnette de Ganondorf. Nous croyais-tu naïve? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte? Tu es à moi à présent.
Anya! Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant, le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans borne. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Kazanda ! Votre Majesté ! La reine a besoin de vous.
Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. Et moi aussi, bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Occultes des Sonao. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande.
C'est toi, Zelda? Votre Majesté, demain vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis, s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Ling. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or, tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai.
qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformée, immortelle devant l'éternité. Dame Mineru, je m'en remets à vous. Je t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. En attendant le jour où elle te reviendra, je ferai grandir son pouvoir en l'irradiant de ma lumière. Avec cette arme, tu parviendras à terrasser le roi démon. Qui désire un grand dragon renaître ? Sacrifie l'essence même de son être.